Bonjour, alors bonjour. En tant que secrétaire d'État à l'agriculture, l'idée de venir avec M. Macaulay, ministre de l'Agriculture, à Expochamps, c'est pour rencontrer la technologie? M. Macaulay est toujours attiré par tout ce qui est de l'agriculture. Et vous savez qu'on a fait une étude dernièrement sur faire nos exportations à 75 milliards d'ici 2025. Oui. Donc, le comité s'est promené à travers le pays. Le ministre aujourd'hui, il est venu pour voir la nouvelle technologie qu'on peut appliquer justement pour aider à atteindre ces 75 milliards d'exportations. Au jour d'aujourd'hui, on sait que Mme Freeland vient de partir à Washington pour négocier l'ALENA. Êtes-vous encore très très confiant qu'elle va sauver la gestion de l'offre ou, d'après vous, M. Trump, d'ici 3-4 jours, va bâcler ça? C'est toujours à savoir c'est quoi leur demande finale, parce que présentement, si Mme McConnell est à Mme Freeland, je pense que présentement, nos négociateurs sont là aussi, mais c'est à voir c'est quoi les demandes. Nous, on est confiant qu'on signe pas les propos. Vous savez que le Canada va protéger, continuer à protéger ses familles. Le départ de Maxime Bernier du Parti conservateur et son idée de lancer un nouveau parti, de votre côté, vous voyez ça comme une bonne nouvelle pour les libéraux? C'est perçu comment? C'est son choix. Moi, là, j'aurais pas de commentaire à rajouter. C'est les gens qui ont à suivre qu'est-ce qui sont ces idées dans le fond. Merci.